Alors voilà, hein, en mode 100% depuis tout en bas. Alors sur cette montée de l'Alpe d'Huez, j'ai fait le choix de rouler en 100% pour faire un premier étalonnage, on va dire. Puissance maxi, on est malheureusement encore en hiver. Donc là, la température, ben, c'était 0 degré. Hein. Pas mal de plaques de glace en montant. Et en étant à 100% d'assistance, j'ai brûlé 75% de la batterie sur les 18 premiers virages. Donc à partir de l'abri de bus Moana, 70 mètres avant l'intersection, route de gauche officielle, route de droite, accès bas station, et bien là, je suis passé entre guillemets en mode dégradé. Et bon, ce mode, il assiste quand même. Bon, pas tout à fait le mode dégradé, en dessous de 25%. Donc il y a une assistance qui est limitée environ à 30%. Et avec ce niveau d'assistance, je suis monté donc au-delà de la ligne officielle, en face du chalet Le Petit Prince, où là je suis passé en vrai mode dégradé. Donc le rouge clignotant, et c'est toujours ce rouge clignotant là qui m'accompagne pour essayer de monter au pied du DMC sous assistance. Voilà. Donc là, on voit que ça clignote. On a une assistance limitée, mais on a quand même une assistance. Donc pour l'instant, tout va bien. Il nous reste environ 200 mètres. On verra si on arrive à les atteindre. Bon, la question, elle n'était pas évidente. Mais oui, on peut atteindre le sommet. Donc là, il y a toujours de l'énergie. Et pour le coup, hein, je suis monté avec un vélo entre guillemets chargé. Hein. J'ai la sacoche, éclairage, pompe, un grand bidon rempli. Le pilote a son équipement d'hiver, donc du coup, bah, c'est aussi plus lourd que la petite tenue d'été. Mais on est un petit peu obligé compte tenu des conditions météo. Mais cette tenue, elle est également primordiale compte tenu de l'état du terrain et notamment de la glace. Donc ça, forcément, ce froid nuit par le poids du pilote, l'équipement, mais également par rapport à la température imposée à la batterie. On n'a pas les conditions optimum, même si on a un joli soleil ce matin là qui nous a accompagné au lever pour monter. En termes de température, le vélo, eh bien, c'est pas ce qu'il préfère. Au niveau chiffres, eh bien, la montée là, les 16 km 400, c'est 53 minutes. Donc ça, c'est pas mal du tout. 18,5 de moyenne. À jeun, c'est plutôt sympathique pour ces 21 virages, voire plus si affinités.